On est dans Sota Daf Lamed Hey et on est à la à peu près 7e ligne. Bayaham Kaleb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne, c'est ça. Bayahas Kaleb. Bayahas Kaleb est un homme. Kaleb a fait taire le peuple. Quand on parle de taire le peuple, ça veut dire quand il y a eu massé des meraglim, ils ont commencé à dire la Shonara, et Kaleb a réussi à faire taire tout le monde. D'accord? Kaleb est un homme et Moshe, ils ont pu faire taire le peuple devant Moshe. Amarava, comment ça? Si Sitam Bedvarim, il les a déjoués par des paroles, il leur a fait croire quelque chose, comment ça? Batach Yeshua, Yeshua a voulu commencer à parler, de Kamishtae, et qu'il s'est aperçu que Kavirchon ne le laissait pas parler. Yeshua a voulu commencer à parler, on ne l'a pas laissé à parler. Mais Amrele, on lui a dit, Din Rosh Ketia, tais-toi, toi la tête coupée. Ils ont dit à Yeshua, tu n'as pas un tombeau à parler, tu as une tête coupée. Tu vois une tête coupée, ça veut dire que tu n'as pas d'enfant. Ah. Et comme il n'a pas de garçon, il n'a pas de part en Eretz Israël qui lui a laissé un héritage. Comme il n'a pas assez d'héritage, c'est un petit peu normal que tu n'en as rien à faire en Eretz Israël. Enfin, tu peux parler de toi. Il coupait les têtes aussi avant. Aussi, c'était un coupeur de tête, Nahon. C'est un coupeur de tête, Yeshua, aussi en Égypte. Et donc, toi, Kaviachol, tu n'as pas ton trou de parler. Alors, dit, si je vais faire la même chose que lui, et commencer à plaider en faveur de Moshe Rabbeinu, ils vont me faire taire tout de suite. D'accord? Il veut oser ouvrir sa bouche. Amar imishtaina, si je vais commencer à parler, amre bemilta, ils vont me dire la même chose. Les chamsinli, ils ne vont pas me laisser parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Amar lahen, mechizo bilvada, salanu ben Avram. Et que rien que ça, il nous a fait ben Avram. Kilou kavichol, il veut se plaindre contre Moshe Rabbeinu. C'est vrai, begnute kamishtai. Ils ont pensé qu'ils voulaient dire du mal de Moshe Rabbeinu. Ishtiku, tout le monde s'est tué. Et ce Kiddush Hashem va faire pouvoir taire tout le monde, a donné le strout à Kaleb de pouvoir mériter d'abord de vivre longtemps et d'avoir une part en Eretz Israël plus grande que les autres. Amar Léo, qu'est-ce qu'il leur a dit? Otsianu Mitzrayim, Karalanu Tayam, il nous a fait tous ces miracles-là, Echelanu Taman, tout ça c'est Bistrout Moshe Rabbeinu. Hein. Vous avez remarqué, il n'y a pas marqué Anane Kavod. Parce que l'année Kavod, c'est Aaron, hein, et Beriam, c'est. À la fin, mais là, à la fin de l'histoire. En tout cas, si l'anneau est Aman, Im Yomar Asusu Lamot, Venalou la Rakia, s'il nous demande de monter vers le ciel, l'ona et non Nishma, l'eau, est-ce qu'on ne va pas l'écouter? Alors on a allez, Arash Nota. Et s'il nous dit de monter en Eretz Israël, on y va. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quoi monter vers le ciel avec le Sulamot? Tu montes pour rien faire. C'est-à-dire, s'il va nous demander des choses qui n'ont pas de sens, on ne va pas le faire. Après, il y a quelqu'un qui nous a fait tellement de bien. Et il nous a montré tellement que de miracles et comment il contrôle la nature. Et il va nous demander maintenant de faire quelque chose d'illogique. On ne va pas le faire quand même. C'est comme un petit peu un père qui était tout le temps proche de son fils. Un jour, il envoie une gifle. Il a tellement fait des tobots. Le gosse, il va se révolter contre son père. Il va dire, quand il récite cette gifle, il y a une raison. Jusqu'à maintenant, mon père était tellement droit, il était tellement juste. Il s'est occupé de tous mes besoins. Si maintenant, il m'a donné une gifle, c'est qu'il y a une raison pour ça. Alors, même là, Moshe Rabbeinu, a priori, nous a dit d'entrer en Eretz Israël. A priori, c'est illogique d'entrer en Eretz Israël. Quelle est la raison? Si jusqu'à maintenant, il a fait ses preuves qu'il ne cherchait que notre bien, vous avez remarqué qu'il a parlé que de notre bien, alors à ce moment-là, il n'a rien à dire. Même rentrer en Eretz Israël, si on ne le comprend pas, on devrait accepter. C'est-à-dire qu'il est d'accord qu'on peut ne pas comprendre. Oui, on devrait accepter. Et là, ils n'ont pas accepté. Mais ça veut dire que dans la Tana, que quand on Eretz Israël, c'est dangereux, ce n'est pas une Tana qui est fausse. Mais si on te demande de le faire, quelqu'un comme Moshe Rabbeinu te demande de le faire, fais-le. Vous comprenez l'astuce de Kaleb dans ce truc-là? C'est pas de dire non, Eretz Israël, c'est super et tout ça. C'est vrai, c'est réservé à Tralodos, mais tout le monde meurt. On voit des gens enterrés, comme on va dans deux minutes. On enterre tout le monde partout. Il n'y en a rien à mieux, on enterre tout le monde partout. Mais s'il nous a demandé de le faire, c'est qu'il y a une raison ici, voilà. Donc, Ve'anashim Asher Aloïmo, maintenant on continue. Ve'anashim Asher Aloïmo. Et les gens qui sont montés avec lui, Amroulo Nouchal, eux ils ont répondu, impossible, pourquoi le Nouchalo? Amar Rabbi Hanina, Abba Papa, Davar Gadol, Dibro Amiragli. Botacha, ils ont dit quelque chose de très très fort et de très puissant, a priori. Ki Chazak Humimeno, Kaviachol, ces peuples-là sont plus forts que lui. Qui c'est lui? Atikri Mimeno, et là Mimenu, Mimenu de Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Chaz V'Shalom. Ils ont prétendu que. Qu'Afilou Balabait, même à Kodesh Bokhu, et Noyachol Leotzi Kela Misham, il ne peut pas enlever ses ustensiles. Il a créé ce monde-là, il a créé ces humains-là qui s'appellent les Shevaromot, il a créé Eretz Israël, il ne peut pas sortir de là-bas, il ne peut pas les faire sortir tellement il les a créés, il leur a donné une telle grande puissance qu'Avirchol à Kodesh Bokhu ne pourra pas
les libérer. Comme ça, Kavichol, ils ont osé dire une chose pareille. Après, ils ont dit, Eretz Ochelet Yoshver, d'accord ? C'est une terre qui est dangereuse et que les gens, ils n'arrivent pas à vivre longtemps. Oui, alors, Darash Rabba, Amar Kadosh Baruch Hu, il a fait la version suivante comme ça. Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Chashavti El Etoba. Moi, j'ai pensé que tout le monde enterrait leur mort dans un but constructif. Même Chashvou les Ra, eux, ils ont interprété ça négativement. Comment ça ? Ani Chashavti El Etoba, moi, j'ai pensé dans un but constructif. Des accords, des cols, des chats, des matous, dans tout endroit ils sont arrivés. Mais il y a des morts. Chachive Dido, qui écrit des nitardoules. Nitardou, c'est pour que Kavichol ne le dérange pas. Veloli Shalou Abatrayou, et qu'on ne leur pose pas des questions qui sont ces meraglimes là. C'est-à-dire, pour qu'ils arrivent à passer inaperçus, j'ai fait que tous les habitants étaient occupés à enterrer leurs morts. Comme ils étaient occupés à enterrer leurs morts, donc automatiquement, vous pouvez circuler librement, personne ne vous posera de questions. Et donc vous avez la possibilité d'avoir le maximum d'informations sans se faire remarquer. Et regardez comment on peut prendre donc le but, c'est une matara chiyuvi d'Akadosh Baruch Hu, et comment on peut interpréter ça négativement. Ah, si tout le monde meurt, c'est que c'est dangereux d'habiter sur cette terre-là. Alors que pourquoi tout le monde mourrait? Spécialement pour nous laisser une certaine liberté. Ça, c'est la première explication. Veika de Amoué, là, qui ramène un petit peu autrement. Iyov nach nafshe. Iyov était mort ce jour-là. Im etzenba, qu'est-ce qu'il avait dit Rashi? Etzenba, im etzadik. C'est-à-dire que c'est Iyov, d'accord? Alors, effectivement, Iyov était mort ce jour-là. Mais tridou kole alma, bespedaya. Tout le monde était occupé à faire des espédim. Donc, ça veut dire qu'ils avaient quand même un certain respect de Iyov. À ce moment-là, il faut comprendre que les habitants avaient un respect de ça. Mais mchajvou les rats, eux, ils ont compris que si on voit des espédim partout, c'est qu'il y a des malheurs partout. Il y a des morts partout. Et retochele tioshveyay. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu interpréter la volonté de la Kojbrou comme il faut. Ça veut dire qu'à Kojbrou, on voit tout le temps des messages, on voit des événements. Que si on veut, on peut les interpréter positivement. Et si on veut, on peut les interpréter négativement. Je rentre dans un embouteillage, ça peut être négatif. N'importe quoi, d'un coup il y a une crevaison, ça peut être négatif. Alors que nous on les interprète négativement, mais approche beaucoup. Il y a toujours une matara chiyuvit derrière tous ces mauvais événements qui arrivent. Après ça, il y a marqué Vani Beinenu Kechagavim. C'est-à-dire, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Comme des. Quoi des sauterelles? Vechen Aïnu Beinem. Ils étaient comme nous. On se considérait devant eux comme des sauterelles et ils nous voyaient comme des sauterelles. Amarav, Nashashia, Meraglim, Chakre. A priori, c'est Meraglim, c'est des menteurs. Bishlama, Nehi, Benenu, Kechagavim, Mechaye. Que Kavichol, on se considérait à leurs yeux comme des Chagavim. Nous, on se considérait à leurs yeux comme étant des insectes petits devant eux. Je comprends. Et là, Vechenahinu, Benem. Comme ça, eux, ils nous voyaient. Mais Naviyadé, comment ils savaient que comme ça que les gens nous voyaient? Velohi. Et là, et donc, a priori, c'est des menteurs. Réponse, non. Velohi, ce n'était pas des menteurs. Qui avoue, mi barré, avlé, tout est. Lorsqu'ils venaient, puisqu'ils ont enterré tout le temps leur mort. Donc, ils venaient s'asseoir pour manger de leur soudat à velout. Ils étaient occupés de leur soudat à velout. Avlé, mi barré, et donc les beraglim sont cachés dans les arbres de Harazim. Et qui est chazinou, et quand les. Donc ils étaient en hauteur, puis ils se sont cachés dans les arbres, ils étaient en hauteur. Maintenant, quand les géants se sont assis, et ils ont vu des gens dans les arbres, qu'est-ce qu'ils ont dit la phrase? Yadve bilané, quand ils se sont assis dans les arbres, cham, ils ont entendu des cambres, et qu'ils ont dit qu'à chazinan, anche, on a vu comme des gens, des damoul, les kamtse bilané, comme qui ressemblent à des sauterelles dans des arbres. Donc comme ils étaient en hauteur, ils ont pu entendre, a priori, ce que les géants ont dit. Et on n'est pas obligé de dire que les Meraglim, ils ont menti. C'est que là, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de mensonge. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on dit les Meraglim, c'est vrai. Quand on dit la Shonara d'Eretz Israël, c'est vrai. Mais c'est du la Shonara. Ça veut dire que, de nouveau, ils ont mal interprété ce qu'ils ont vu. Mais ils ont dit la vérité. Ils n'ont pas rajouté de plus qu'ils ont vu. La seule chose qu'ils ont osé dire, c'est que Akosh Boku, Chaz Veshalom, qui nous préserve, est incapable de nous faire rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est la seule chose qu'ils ont bien mettre rajouté d'eux-mêmes. Hein. Maintenant, on va dire ça, Kola Eda. Ce jour-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Vaïtno et Kolam, Vaïkou, ils sont mis à pleurer. Amaraba, Amarabi Ochanan, Oto Hayom, Erev Tisha Be'a Vayat, Erev Tisha Be'a. Amara Kodosh Bokhu, Hem Bokhu Bokhia Shel Chinam. Ils ont prié pour rien. Ani Ekval Hem Bokhia Le Dorot. Je vais leur causer des pleurs pour les générations. Qui veut dire quoi? Vous avez pleuré pour rien. Maintenant, vous pleurez, mais pour une raison. Kilou Kavirchol, il y a une date qui force les gens à pleurer. Vous pleurez pour les taureaux. C'est une date qui est catastrophique pour l'Israël. À un moment donné,
Bien entendu, ils en ont eu marre de Caleb, de Joshua et de Moshe. Théoriquement, tel c'est marqué, ils ont voulu les lapider tout le monde. Vektiv, ou Kvod Hashem Mira, Be'Ba'oel. Et à ce moment-là, tout de suite, à cause beaucoup se dévoile. Dechagav, jusqu'à maintenant, je n'avais pas, mais toujours me poser la question. Ils sont pleins de révolte. Donc, ils sont révoltés contre tout le système. Comme on va voir dans deux minutes, Amar Rabbi Abba, Melamech, Elatnu Avanim, Vezakou Klapemala. Ils ont pris des pierres et ils les ont jetées vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? On ne te veut pas. Que beaucoup se dévoile au Mishka, au Oel Moed. D'un coup, tout le monde arrête. Makara. Il y a deux minutes, c'était en pleine révolte. Manifestation, ça n'avait rien à faire du système. D'un coup, Akadosh Baruch Hu se dévoile, tu te tais. Pourquoi tu continues pas la manif? Tu as dit qu'Akadosh Baruch Hu est incapable. Tu viens de dire qu'Akadosh Baruch Hu est incapable. Tu oses jeter des pierres contre Akadosh Baruch Hu. Et après, tu arrêtes la manif parce que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Et là-bas, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile, le Tzara disparaît. On a vu ça au Mahamad Har Sinai. Belev Echad ki Ish Echad. Makara, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, ki Ish Echad Belev Echad. Dès qu'on se rapproche de la Kedusha, le Tzara n'a plus de force. Dès qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, tout le monde s'enferme la bouche. Alors que juste auparavant, ils n'arrêtaient pas de pleurer. C'est mauvaise manière. Tu te rapproches de la Kedusha, il n'y a pas. Il y a une histoire comme ça avec l'Ariza, j'ouvre une petite parenthèse. Il y avait un Turc, un juif turc, qui a dit ouais, moi, l'Ariza, vous entendez l'Ariza, c'est de la rigolade. Vous allez voir, je vais me moquer de lui, je vais venir. Il a fait deux Izmir, si je ne me trompe pas, jusqu'à Tzfat. Dès qu'il est arrivé à Tzfat et qu'Ariza est sorti devant lui, la première chose qu'il a fait, il est descendu de son chameau, son âne, il s'est procédé en demandant, il a demandé une Mechila. Tout le chemin, c'était là pour faire la guerre au Ariza. Qui arrivait devant lui, ce qui veut dire une parenthèse, si on n'a pas d'influence sur les chilonim, c'est que nous, on n'est pas à la hauteur. Donc si on aurait été à la hauteur, le chilonim nous aurait respecté automatiquement. Je ferme la parenthèse, point de réflexion. On je continue. Vayomutu anashim utsaye dibat haaretz. Ra'a. Tous ceux qui ont dit de la shonara sont morts. Bamagefa dans l'épidémie qu'il y a eu. Amar Rabbi Shimon ben Akish, shemetu mita mishunai. Ils sont tous les maridés morts, une mort atroce. Bizarre. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Darash Rabbi Shila, Ishkfar Tamrata, de la ville de Tamrata, Melame, Shinishtarvev les Shonam, leur langue s'est agrandie, Venafal al Taburam est rentré dans leur nombril, Vayu Tolaim Yotzim les Shonam, cette langue qui a grandi, il y a des vers qui sortaient, Venichnasot Betaburam qui rentrent dans leur nombril, Ve Omitaburam, Nichnasot les Bilshonam, et du nombril ressortent de la bouche, et rentrent dans le ventre, et ressortent de la bouche, et rentrent dans le ventre, donc c'est un petit peu les films d'atrocité, d'atroce qu'on pouvait voir, c'est-à-dire qu'ils ont entièrement disparu, de voir des vers qui sortent de tous les côtés. Et Chagag, il y a même image avec comme ça avec Bilam aussi. Quand ils ont coupé la tête à Bilam, il y a plein de serpents qui sont sortis de son corps. Plein, le Midrash dit plein de serpents sont sortis parce qu'ils représentaient la Sidra Achara dans son essai. Et le serpent représente donc. Rav Nachman Bar Yitzhak, Amar, Be'askara Meto. Par contre, Rav Nachman, il dit qu'ils sont morts par strangulation. Askara, c'est la gorge, elle commence à gonfler. Les tuyaux commencent à ne pas pouvoir passer de l'air jusqu'à ce que la personne étouffe. Maintenant, avec Evan Shealach, maintenant on revient à ce qu'on a dit dans le Yarden. On sait que les Bnei Israël étaient de l'autre côté. Ils ont passé le Jourdain pendant que les Kohanim étaient sur le Jourdain. Et ils ont passé. Maintenant, quand le dernier des Juifs a passé de l'autre côté du Jourdain, donc du côté ouest du Jourdain, donc, Shalach, Ran, Tchabi Israël, Mina Yarden, Chazrua, Maïm, Limkomam, toute cette colonne d'eau qui était énorme s'est rabaissée et a repris sa place, le cours d'eau a repris sa place dans le Jourdain. Chenemar, Vaï, Be'alot, Akoanim, Nosé, Aaron, Brit Hashem. Et lorsque les Kohanim se sont levés, qui portaient le Aaron Hashem, Mitoch et Yarden, sont sortis du Jourdain, Nitku, Kapot, Raglem, Akoanim, El Achareva, ils ont quitté donc le parterre sec, Kaviachol, du Jourdain, Vayashubu, Mina Yarden, Limkomam, sur place, l'eau du Jourdain a repris sa place. Maintenant, ce n'est pas tombé comme une cascade, c'est moins manienne. Donc, c'est monté comme une colonne et c'est redescendu comme un petit toboggan. Parce que si on redescend en cascade, ça aurait automatiquement 300 km après certains, 300 km de hauteur qui tombe d'un coup et il fait un ravage sur, toute la région. Et la main, c'est redescendu comme un petit toboggan comme ça et ça re-remplit tout le Jourdain. Il y a un chou qui te molle sur le chôme. Maintenant, ils sont partis comme hier et avant-hier. Alcool des Dotav, il a rempli tous les bords du Jourdain. Venimtsa, et automatiquement, il s'est avéré que Aaron venos Avakoani, Mitzad Echad,
que d'un côté se trouvait l'Aaron avec les Kohanim du côté est du Jourdain, mais Israël, Mitzad Acher, et les Bnei Israël se trouvaient à côté de l'ouest du Jourdain. Maintenant, pourquoi on fait cette déduction-là? Parce qu'on va voir dans deux minutes, il y a marqué que les Kohanim étaient à l'avant des Bnei Israël. Or, les Bnei Israël sont déjà passés. S'ils sont déjà passés, donc ils sont à l'arrière. Comment c'est possible? Tu me dis qu'ils sont à l'avant? Alors, hein? Alors, quoi? De nouveau, le Jourdain s'est coupé en deux et les Kohanim sont repassés pour passer de l'autre côté? Non, ils étaient repassés. Pour remonter sur l'arche et remonter sur l'enfer, non? Alors, tu vas dire comment ils ont fait? Alors, Misad Echad, il y avait les Kohanim du côté est du Jourdain et les Israël du côté ouest. Nasa Aaron et Nosa, il y a eu de la téléportation. Aaron a porté les Kohanim, il les a fait lever au-dessus du Jourdain et les a remis au devant de Béné Israël. Chez Neymar, il y a eu que Kolaam l'avant, parce que tout le peuple a fini de passer. Il y a eu Aaron Hashem, et Kohanim l'ifne Aaron. L'Aaron est passé devant Aaron Hashem avec les Kohanim devant le peuple. Maldavarze, c'est-à-dire que Kavichol, le Aaron est capable de porter ses porteurs. Maintenant, j'ai une petite parenthèse. Si vous faites un petit calcul, rien que du couvercle du Aaron, qui est un téfar de hauteur, si je ne me trompe pas, après une amma et demie, donc 75 cm, sur, je crois, encore 75 cm. Et si le poids le poids, la masse de l'or est de 0,19 grammes par centimètre carré, faites le calcul de la surface, ça nous fait à peu près 2000 tonnes. Deux tonnes. Rien que le couvercle. Et que les Kohanim devaient porter. Rien que le couvercle. Pas. Ah, justement, c'est ça que c'est. C'est pour ça que je dis. C'est encore une autre preuve. Tu as fait un petit calcul rapide sur le volume que ça donne. Quelqu'un m'a dit 2 tonnes. Maintenant, c'est possible que ça soit un petit peu moins. Voilà, on a vu qu'on pouvait prendre 1 tonne. Non, on a vu que quelqu'un, ils ont levé 300 kilos, donc ils pouvaient presque porter 1 tonne. Non, 1 tonne quand tu m'aides. Ouais. Quand quelqu'un il m'aide à porter. C'est pour le calcul, donc c'est à peu près 8 cm fois 75 cm fois 15 cm. C'est le volume. Multiplie par, je crois, 0,19, qui est la masse de l'or, tu vois combien ça te montre, rien que au niveau du couvercle. Donc la ronde, c'est lui qui porte ce porteur. On fait semblant de porter, mais en vérité, on ne porte pas. Combien ça te sort à peu près? Non, c'est pas grave, on continue. Tu verras ça par la suite. C'est possible que c'est un petit peu moins que 2 tonnes, mais Kilou Kaverol, c'est très lourd. Et ça, c'est rien que le couvercle. Sans les chérubins, et sans le reste de la caisse. Hein. D'accord. Maintenant, Alzen et Enash Uza. Et sur ça, Uza a été puni. Chez Neymar, voyez-vous, Ad Goren, Kidon. Ils sont arrivés. Donc, il est marqué dans. Le premier, il est marqué dans. Tête. Il est marqué dans. Je crois. Il y a un qui est marqué dans Divrayamim et un qui est marqué dans Shoftim. Dans Yoshua. L'un des deux. En tout cas, il y a marqué. Non, un est marqué dans Melachim, excuse-moi. Pas dans Shoftim, dans Shmuel. Alors, un, il y a marqué Ad Goren Kidon. Un, il y en a qui sont arrivés jusqu'à Goren Kidon. Ishlach Uza et Yado, l'Echoz et Aaron. Et Uza a donné sa main pour tenir l'arche qui était en train de tomber. La Marlou Akodosh Bokhu, Uza, Akodosh lui a répondu Uza Nosav Nasa. Le Aaron a porté ceux qui l'ont porté. Atzmo, Lokol Sheken, est-ce qu'il ne peut pas se porter lui-même à plus forte raison? Makara que tu as mis ta main pour le porter. Ishlach Afashem Be Uza, Akodosh Bokhu Kavichol. Il s'est énervé contre Uza, il y a Keusham à la châle, et il a puni là-bas à la châle, donc il a tué. Rabbi Yochanan, il veut dire c'est quoi à la châle? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Lezer Chadamar, Aliske Shalom, Askoz Chadamar, Shasat Rachav. Un, parce qu'il n'a pas fait ce Kalvachomer là, qu'il aurait dû comprendre par lui-même, et un autre, Kavirchol, parce qu'il a fait ses besoins, Befanav. Il a fait ses besoins devant le Aaron. Comment c'est possible qu'il a fait ses besoins devant le Aaron? À quel moment il a fait? Ce n'est pas écrit ici, a priori, mais a priori, il a eu un comportement pas mechouba devant l'Aaron, la Kosh Bukhu l'a puni à ce moment-là. Bayamot Sham im Aaron Elokim, il a marqué, il est mort là-bas avec l'Aaron Elokim. On ne meurt pas avec l'Aaron. Il est mort, mais on ne meurt pas avec l'Aaron. Vous trouvez comment ça fait? Mais en tout cas, ça fait une grosse. Ça fait comme ça un peu. 900 kilos. Il faut quand même lever 900 kilos avec 4 personnes.
Un clairon, et ça, c'est rien que le couvert. C'est pas le couvert. Alors, va yomot sham im Aaron Elokim. Il est mort là-bas avec l'Aaron Elokim. Il est mort pas avec l'Aaron. Amar Rabbi Yochanan, Uza ba le olam haba. Uza, il a mérité olam haba. Comment c'est qu'il a mérité olam haba, Uza? Shenemar, im Aaron Elokim, parce qu'il est avec l'Aaron Elokim. Et on a dit, il est mort avec l'Aaron Elokim. Aaron ne meurt pas. Il a Maaron le olam kayam. La même façon que l'Aaron, il est entièrement, il existe jusqu'à aujourd'hui. Comment on sait qu'il existe jusqu'à aujourd'hui? Parce que Yoshiaou, il l'a caché sous l'esplanade du temple pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc l'Aaron n'a jamais disparu. De la même façon que l'Aaron n'a jamais disparu, Uza n'a pas disparu. S'il n'a pas disparu, c'est qu'il aura droit au Olam Haba. Afouza ba le Olam Haba. La suite du psukim qui est avec l'histoire de Uza. Vaïchar le David à la chair parat Hashem de Uza. Kadosh Baruch Hu avait fait énormément de la colère et de la peine que Kaviachol. Par Kadosh Baruch Hu, il a puni Kaviachol Uza. C'est là qu'on en voit là-bas, il a présenté l'endroit là-bas, Peretz Uza. Donc on s'est appelé à ce moment-là Peretz Uza. Amar Rabbi Elazar, Nishtanu, qui veut dire quoi? Charapana, quoi? Il s'est éternisé quand Kadosh Baruch Hu, Chazé Shalom. Et là, Nishtanu Panav qui est Charara. Le visage de Rabbi Elazar s'est transformé comme une cruche. Noir comme ça, qui donc avait une tristesse énorme qu'on voyait dans la figure de David Améler. Comment c'est possible que Kadosh Baruch Hu ne lui a pas donné la possibilité d'amener le Aaron jusqu'à Yerushalayim? Parce que qu'il avait déplacé le Aaron pour l'amener à Yerushalayim. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas que tu m'amènes à Yerushalayim. Donc tout ce que David Améler pensait faire de bien, comme ça, Kadosh Baruch Hu l'a rejeté. Ça lui a fait de la peine. Alors, directement une seconde. Amarle, Me'ata, Kol Echad Echti Vaichar, Achanami. Chaque fois qu'il y a marqué Vaichar, il faut comprendre que ça veut dire que le visage devient noir comme une cruche, comme de l'argile. Là, répondons. Atam af. Acha loktiv af. Là-bas, quand il y a Vaichar af Hashem. Achar af Hashem, là, c'est la colère. Ça ne veut pas dire que ça devient noir. Par contre, chez David Améler, il a tellement pris dur la chose que son visage est devenu noir de cela. Darash Rabbi Araba. Mipneman et Nash David. Et pourquoi David a été puni? Pourquoi David a été puni, que Kaviachol a pas donné la possibilité dès le départ d'amener le Aaron à Yerushalayim? Mipne, chez Kara, les livrets Torah, Zemiro. Parce qu'il a considéré que le livret Torah, c'est comme des chants. Les psukim, les psukim. Les mitzvot, c'est comme des zmirot, c'est comme des chants. Chez Neymar, zmirot, ayuli chukecha. Mais bête megouraï. Pendant que j'étais caché, qu'on me poursuivait, je me consolais en chantant tes mitzvot. Les mitzvot, je les considérais, tes chukim, je les considérais comme des chants. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שכתוב בהם, התעיף עיניך בו, ואיננו. דברי תורה, כי אמר כן, כדי כשאתה עולה תזיו, תעיף עיניך, שכמו שתלבש תזיו דבר לתורה, ואיננו, אלא תורה תבדון תוצוי, פסקיפו קונסון אונליין עבק לתורה, תוס בין כתור שבנקל, שדבר מודוני או סלש, יענו בלי לתורה, דבר כשמור לתורה נזו בי תוצוי. אתה קורא אותם זמירות, שעברים, התורה סברה מרקל קשות וחשוב ודיר, איתו תשו הפסד לזמירות, Areni meshchilecha, machshilecha, je vais te faire causer une erreur, comme quoi tu vas oublier ta halacha, bedavar, shafilu, tinoko, shabet, rabban, yodim, que même les petits-enfants, ils savent quoi, d'auto, dirti, via marqué, l'ibne, kiat, on l'attend, kiat, bodata, kodeshi. Pourquoi il n'a pas donné à porter des poutres à l'ibne, kiat? Il porte rien, l'ibne, kiat, tu vois pourquoi? Parce qu'il porte le Aaron Hashem. Comme il porte le Aaron Hashem, alors c'est pour ça qu'on les a rendus patour des autres avodotes qui a, dans le Betamikdash, dans le Mishkan en tout cas. Viu atchem be'agalta, et toi tu le mets sur une charrette. Le kehat, ils doivent porter sur leurs épaules. Le haron, on ne le porte jamais sur une agala. On ne le transporte jamais. On le transporte avec sur nos épaules. Et toi tu viens et tu le mets sur une agala. Tu as oublié une halakha aussi pshuta que ça. Donc sur ça, tu as considéré les chukim comme des zmirot. Tu vas voir que tu vas oublier quelque chose que tout le monde connaît. Et ça te fait un petit peu la honte. Parce que comment l'âme Israël a réagi à ce moment-là? David a pris l'initiative d'amener le Aaron Hashem depuis Kiryat Yarim jusqu'à Yerushalayim. Et Kadosh Baruch Hu lui dit non, ça veut dire comme si Kadosh Baruch Hu l'a abandonné. Tu as des bonnes intentions, Kadosh Baruch Hu n'a pas la possibilité de réussir. La honte que Dieu a à David Amelech, elle n'est pas pshuta. Donc après, il a marqué, maintenant on revient à notre pasouk. Quand le Aaron a été pris en prisonnier dans Shmuel, il a marqué par les Philistins. 7 mois plus tard, il est revenu et il est passé par la ville de Beth Shemesh. D'accord? Et quand il est passé par la ville de Bet-Shemesh, ça a marqué, le lendemain, Yach Vanche Bet-Shemesh qui Raou Baharon. C'est-à-dire, Yach, tous les gens de Bet-Shemesh ont été punis parce qu'ils ont vu le Aaron. Quand les Philistins, ils ont ramené le Aaron, ils l'ont ramené sans couverture. D'accord? Ils l'ont ramené comme. Et les Israël, là-bas, ils les ont vus. Et parce qu'ils les ont vus, ils ont été punis. Malheureusement,
Mishum de Raou Vayach, parce qu'ils ont vu l'Aaron, ils doivent être punis. Où est la logique? Qu'est-ce qu'il y a de grave d'avoir vu l'Aaron? Il a Rabbi Abaou et Rabbi Lazar. Rabbi Abaou et Rabbi Lazar. Chadamar, il a dit Kotsrim ou Mishtachavim Hayou. Il Kotsrim, il continue à semer et se prosterner devant l'Aaron. Donc l'Aaron, il vient. Ah, l'Aaron est arrivé. Il se prosterne et se continue à travailler. L'Aaron, il arrive, il continue à travailler. C'est un petit peu comme le Sefer Torah Issof. Qu'est-ce que tu fais pendant le Sefer Torah Issof? Tu continues à regarder ton portable? Tu continues à parler avec ton copain? Le Sefer Torah Issof? Ou il y a le carotte par rapport au Sefer Torah? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des clochettes dans le Sefer Torah. Pour dire, préparez-vous, j'arrive. Préparez-vous, j'arrive. Parce que c'est là, il y a fait que tu fasses autre chose pendant que le Sefer Torah est en train de passer. Et bien, c'est exactement la même chose ici. Le Aaron, il passe. Alors, tu dis bonjour, je me prosterne, puis je continue à travailler. Ma courrier pas. C'est un zilzoul du Aaron. Zilzoul du Aaron, c'est ça qu'ils ont été punis. Chazou Shalom, Dieu nous en faisait. Ça, c'est une première explication. Tu as une deuxième, c'est après tu me dis. Ouais. C'est là, quand on danse. Maintenant, les gens qui viennent à Simchat Torah et qui partent autant, c'est l'autre baril. On ne peut pas partir tout le temps. Mais si tu danses avec et tu te reposes un petit peu, c'est là parce que tu es un être humain. C'est pas pour autre chose, t'es obligé de te... Mais Kavirol, le Sefer Torah, tout le monde danse, c'est pendant tout le Sefer Torah, tu prends tes pipites, ton petit tarak, et tu bois, et tu rigoles, et tout ça, tu laisses les gens danser, c'est l'autre chose, ne viens pas à Sefer Torah pour aller boire et regarder les autres danser. Au moins, danse un petit peu. Tu danses un petit peu, tu te fatigues, tu t'assois, on y va vite. Mais que asseoir et que faire à côté, c'est l'autre chose. Rabbi Abba et Rabbi Lazar Amar, Chadotsim Mishtachavim, Vahve, Vechad Amar, Mile Nami Amour. Ils ont dit aussi des phrases. Quelle phrase? Une phrase qui est assez un petit peu embêtante. Mi Amariach de Imarit. Qui t'a énervé pour que tu t'énerves et que tu décides de revenir? Ça veut dire d'autres termes. Tu as accepté de te faire prendre en otage, puisqu'ils sont venus à la guerre. Ils pensaient que ça allait les protéger, ça ne les a pas protégés, les Philistins ont gagné, ils ont pris le Aaron en otage. En otage, en tant que mutin. Et d'un coup, tu as décidé de revenir, par toi-même, parce qu'il revient de lui-même, pas sauf le Aaron. Ils l'ont mis dans une agala, et la agala, elle a marché tout seul vers Bet-Shemesh. Sans pour autant lui donner une direction, elle est arrivée directement sur Bet-Shemesh. Donc ça veut dire que le Aaron a eu marre, entre guillemets, d'être chez les Philistins. Qui c'est qui t'a énervé chez les Philistins pour te causer à ce qu'au bout de 7 mois, tu reviens vers nous. Comme si, tu t'es réveillé là. D'un coup, tu t'es réveillé pour revenir vers nous. Ah, c'est sympa. Hein? Parler de ça comme ça. Manata alar de faïsse. Mi pièce au tralavo. Qui t'a été mes faïsses? Qui t'a incité à venir pour que tu sois venu jusqu'à maintenant là? Ça veut dire, d'une certaine manière, ils en voulaient au Aaron. Pourquoi le Aaron a quitté Eretz Israël? Pourquoi ils ont laissé perdre la guerre? Ah, s'ils ont laissé, c'est comme beaucoup nous a abandonnés. C'est pourquoi que je me suis revenu là? Qui lui a demandé de revenir? 7 mois. 7 mois, ça a été beaucoup. Et personne n'est parti le chercher. Personne n'a envoyé un commando David pour le voir. David, à ce moment-là, David était un petit jeune. Hein. À ce moment-là, c'était encore un petit Goliath jeune. Goliath était tout ça déjà. Goliath existait, mais David était inconnu encore au bataillon. C'était un des enfants de David et Ishaï, il était là, déjà, il était roi. Peut-être moi, il était roi déjà là. Non, il y a Shaoul. Est-ce qu'il a dansé et si Michal lui a dit. Non, c'est Shaoul. Non, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est. Il est revenu, qu'il a mis la main. Non, là, on parle qu'avec les Philistins. Et après les Philistins, c'est avant Shaoul. Non. L'histoire des Philistins, c'est avant Shaoul. C'est juste après Shimshon. Là, le Mikré, là. C'est Shmuel. C'est le début de Shmuel. Le début du royaume de Shmuel. Là, c'est le Mikré quand il a mis la main à l'autre. Non, ça le Mikré, il a mis la main. Après, on est passé à un autre sujet. Après, on est passé à un sujet. Et maintenant, pendant que le roi est arrivé à Bet-Shemesh, quand il est arrivé à Bet-Shemesh, il est arrivé des Philistins. Alors là, Kavirol, Kojbukhou les a punis. Combien il va les punir, on va voir tout de suite. Kojbukhou les a punis. Maintenant, pourquoi Kojbukhou les a punis? Parce qu'ils ont eu un zilzoul du Aaron. Là encore, Shaoul n'était même pas encore roi, Bechla. C'est pas quand ils ont perdu justement qu'il est tombé et qu'il... Non, pas encore. Shmuel n'a pas encore intronisé Shaoul, Bichlan. On est au début du royaume de Shmuel. Du royaume, enfin, on peut appeler ça un royaume, ok? Maintenant, Vayach Ba'am, maintenant, après, il y a marqué que Kavirchol, à Kojbokhu, il a puni les gens de Bet-Shemesh. Shivim Ish, 70 personnes,
Vechamishim elef ish, et 50 000 personnes. Donc vous comprenez que la phrase elle est un peu difficile. 70 personnes, 50 000 personnes. Ou 70 ou 50 000. Ou 50 000, 70 décide. Alors il y a ici deux explications possibles. Amar Rabbi Abba ou Rabbi Elazar, Chad Amar, Shivim Ish, 70 personnes, Bayou Kol Echad Vechad, Shakul Kechamishim Elef. Et chacun de ces 70 était égal à 50 000 personnes au niveau de Torah, il y a dit. Chad Amar, il y a un qui dit, Chamishim Elef, c'est 50 000, Bayou Kol Echad Vechad, Shakul Kechivim Sanhedrin. Et chacun de ces 50 000 avait les mêmes capacités que les 70 du Sanhedrin. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a atteint essentiellement les tzadikim. Dans cette explication-là, c'est les tzadikim qui ont été punis. Maintenant, pourquoi ces tzadikim qui ont été punis? Ou qu'il y a un cheshbon déjà antique qui est sur eux, ou qu'ils auraient dû prendre des avants et expliquer comment gérer quand les Kohanim, quand le Aaron est arrivé, ou que Kavirchol, on ait une période de din parce qu'ils se sont mal comportés avec le Aaron et que c'est qui paye, c'est le tzadik qui paye. Vous voyez qui tsaadou après, quand maintenant on revient à David Améler. On a fini avec l'histoire des Philistins. On revient avec David Améler. Quand il a Bassof, après ils ont mis le Aaron dans chez Doeg Adomi. Pas Doeg, chez Oved Adomi. D'accord. Et trois mois plus tard, les femmes de Oved Adomi, toutes les filles, les calottes, les belles filles et les filles qu'il avait chez Doeg Adomi, de Oved Adomi, ont tous eu des garçons. Tous. Trois mois plus tard. Et on a annoncé ça à David Améler. Parce que qui c'est qui a gardé le Aaron pendant cette période-là? C'était Oved Adomi. Ils l'ont mis là chez lui pour qu'il le garde. C'est Manian, Oved Adomi, et c'est lui qui a gardé le Aaron. Est-ce que c'est un converti? Est-ce que c'est un juif? C'est Lobaro. D'accord? Mais en tout cas, il a gardé le Aaron, il a eu la bracha. Et dès qu'il a eu la bracha, il a compris que maintenant, après beaucoup, il a pardonné. Quand il a compris, donc à ce moment-là, il va amener le Aaron à Yerushalayim. Mais la première fois, quand il y a eu le problème de Peretz avec Uza, ils ont fait six pas et la charrette elle a lâché, l'Aaron allait tomber et Uza l'a tenu. Ils ont fait six pas. Quand ils vont reprendre l'Aaron maintenant, que tout s'est calmé, que le bruit a pardonné, comme on va voir tout de suite, tous les six pas, ils ont fait un korban. Oh, on a fait six pas, que le bruit ne nous a pas puni. Korban Todaraba. On refait six pas, que le bruit ne nous a pas puni. Oh, bon Hachem, pour notre korban. Ça veut dire que comme la Makkal est venue au bout de six pas, ils avaient tout le temps la peur qu'au bout de six pas, il va se passer ici quelque chose. Et c'est pour ça que chaque fois, Kavirchol, ils amenaient un combat. Comment on va dans tout de suite dans une minute. Voyez qui tsadou, non, c'est Aaron et Tisha Tsadi. Lorsqu'ils ont avancé six pas, ils ont fait un taureau et Blainara, un bon taureau aussi. Vekatou, Vektiv, Shiva Perim et Shiva Elim. Il a marqué Shiva Perim et Shiva Elim. Et sept taureaux et sept élim et sept boucs, d'accord. Amar papa non bar Shmuel à kol psia ou psia sur chaque pas Shor ou Marie. Ils ont fait un taureau et un Marie c'est aussi un gros taureau normalement. Des kol à kol shesh psiot et sur chaque six autres pas Shiva Parim et Shiva Elim. Amar le Rav Chisda milita et kol aretz Israël b'mot. Ça veut dire que tu as des misbahot partout là. Qu'est-ce que tu m'as fait comme coup là? C'est pas possible. Tu peux pas tenir comme ça. Et là, Mara Fusa, alcool chèche, béchèche, psyot, charou, mari. Sur chaque six pas, un taureau. Un mari, c'est aussi un taureau qui est gras. D'alcool, chichas darim, donc 36 pas. Chichas darim, c'est chèche, psyot. Bout 36 pas, cheva parim et cheva élim. Donc un peu moins. C'est toujours beaucoup, toujours. Et un peu moins. Et sur le compte de qui? David Améler, qui a payé? David Améler qui a payé tout ça. C'est des cadeaux qu'après il a distribué. Après il va distribuer à chacun un morceau de gigot, un morceau de ses corbanotes. Et il les distribue du pain et de ça à tout le monde. Et tout le monde est rentré chez eux. Il perd sa mère que, bah, sauf la Ron, il arrive à Yerushalayim. Ils sont rentrés avec des cadeaux en plus. Ils avaient faim, quoi. Oh, bah, ça a été à un moment donné. En tout cas, il fallait les faire aussi. Ça veut dire qu'il y avait quoi de donner à tous ces gens-là. Mais c'est impressionnant combien David Améler a pu ramasser de l'argent pour pouvoir acheter tellement d'agneaux, pour pouvoir faire, de bétail, pour pouvoir faire ces corbanotes-là. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait dit, vous avez dit qu'il y a un qui est marqué dans Divrei Hayamim, un qui est marqué dans Shmuel. Et il y a marqué d'abord Kidon, comme une lance. Vektin, après c'est marqué Nachon. Nachon, c'est pas une lance. Et là, Amar Rabbi Yochanan, au départ, Kidon. Batrala, ça veut dire dans Shmuel,
la charrette, enfin le cortège était comme une lance, le vassof, nachon. Après qu'on a fait le deuxième cortège, c'était plus comme une lance, et là, nachon, et là, comme quelque chose de bien, quelque chose qui a été accepté. Donc si, mamash, je résume, mamash, très très rapidement, ce qu'on vient de voir là maintenant. On a vu d'abord le dialogue qu'il y a entre les Meraglim et les Bnei Israël. On voit la conséquence des Meraglim qui sont tombés après Bassof, ils sont mis à pleurer, c'est venu une nuit de Tisha B'Av. On voit qu'ils ont voulu mettre en danger Moshe et Yoshua et Kalev. Yakosh Bokhu il est intervenu et il est puni, donc ça sera pris à l'autre. Après cela, on a vu que la mort un peu cruelle qu'ont eu les Meraglim par le fait qu'ils ont parlé du Lashon Hara, que leur langue s'est allongée. Et après, on est rentré dans le fait de porter le Aaron, quand ils ont pris le Aaron pour faire la traversée de la mer, le Jourdain, comment le miracle qu'il a fait que le Aaron a porté les gens et les a reportés de l'autre côté. Et on a parlé automatiquement aussi de l'histoire avec David Ameler, qui sont fait une erreur que mettre le Aaron sur une charrette plutôt que de le porter sur les épaules. Et de là, après, on a vu quel était, pourquoi Akosh Bourou a puni les gens de Bet-Shemesh, ou parce qu'ils ont continué à travailler. En se procédant, ils ont continué à travailler, ou parce qu'ils ont dit du Lashon Hara sur HaKadosh Baruch Hu. Après, on a expliqué pourquoi il y a eu tant de morts, ces 70, qui sont ces 70-là et qui sont ces 50 000-là. Est-ce que ces 70, dont chacun est égal à 50 000, ou ces 50 000, que chacun est égal à comme 70 talibrines. Et parce qu'on a appris, quand David Amer, qui a ramené le Aaron, il a fait chaque 6 pas, il faisait un Shor et Mari, et au bout de 36 pas, il faisait 7 Shvarim, et cette Elim pour Kaviochol pardonner. C'est pour ça qu'après le pasouk il a changé, qu'au contraire, le deuxième cortège était plus grand que le premier. Maintenant, on revient dans ce qu'on a parlé. On a dit tout à l'heure d'ailleurs, dans le jour, qu'il y avait trois sortes de monuments qu'ils ont construits. Donc, trois fois, on a utilisé des pierres pour en faire un monument. Et là, on va nous en parler ici. Nimsa Ata Omer, Shlosha Mina Avanim. Donc, tu as oublié de me dire qu'il y avait trois sortes de pierres, donc trois sortes de monuments qui ont été faits. Chez Nehema, comme c'est marqué, dans Ayou. Echad chez qui Moshe, un qui Moshe il a fait Beretz Moab où il a écrit toute la Torah là-bas. Chez Neymar, Beber Yarden, Beretz Moab où il Moshe Beret Kol la Torah azot. Il a expliqué toute cette Torah là. Où les Alain ou Omer, dans un autre il a marqué aussi que Katav Talem et Kol Divra Torah, tu écriras toute cette Torah là-bas. Vatia Ber Ber, et comme il a marqué, on fait une Zarachava Ber Ber, donc ça veut dire qu'il faut l'écrire explicitement. Et le deuxième, c'est qu'Abiachol, il va le faire avec Yoshua. Echad chez qui Yoshua Betocha Yarden, le monument que Yoshua a mis dans le Jourdain lui-même, avec les 12 pierres qu'il a mis dans le Jourdain lui-même, chez Neymar, Vishnem Israël Avanim, Ekim Yoshua Betocha Yarden, dans le Jourdain lui-même, Vechad, chez Kim Bagilgal, et un qui l'a fait Bagilgal, où là-bas il va écrire toute la Torah lui aussi, Yoshua. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vishnem Israël Avanim, Haele, Asher Lakrou, qu'ils ont pris de dessous le Jourdain, pour pouvoir les amener dans Gilgal, et là-bas ils vont écrire toute la Torah. Tanou Rabbanan. Ketzat Kadvou Israël et Tatoa. Comment ils ont créé la Torah? Rabbi Yehuda Omer, Al-Gabé Avanim, sur des pierres, Kadvoua. Chez Neymar, avec Katafta Al-Avanim, tu écriras sur ces pierres-là toute la Torah. Et de quoi livrer la Torah Zot? En 70 langues, pour que ça soit compris de différentes façons. De Acharkar, Sadou Tambesid, et après, le recouvert de la chaux, c'est intéressant pourquoi? Pour que ça se protège, pour pas que tout le monde le voit, pour pas qu'il y ait un blasphème. En tout cas, toute la Torah est écrite, si on a besoin, sur de la roche, quelque part. Mais ça met combien de temps? Hein? Je sais pas. Bah, maintenant, si tu mets 100 sofrim, avec chacun un morceau de pierre, tac, 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 que tu peux écrire comme en ordinateur quantique. Avec les 12 pierres. En même temps. C'est un miracle, parce que ça veut dire que chacun, il sait à quel endroit il doit écrire quelle lettre aussi. Il n'y a pas elle qui sait derrière. Top, en tout cas, livré à Zot. Bah, Harkar, ça doit t'embassir. Amalem Rabbi Shimon, l'Edvarecha. Donc Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda que toute la Torah a été écrite, a été recouverte avec du signe. L'Edvarecha, et Chayach Lemdoa Umot, chez l'Otam Azman. Comment ils ont pu apprendre toute la Torah, puisque BRFF, c'est dans un but de quoi c'est écrit sur les pierres, que tout est à l'entrée d'Eret Israël, puisque c'est dans Gilgal. Comme ça, tout Goy qui arrive, il peut voir qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Torah-là. Donc pourquoi à ce moment tu le recouvres avec du signe? Comment ils vont apprendre ça, les Umot Aolam? Azman Torah, à Marlo, il a répondu, Bina Yetira Natan Baim. Il leur a donné une intelligence particulière à Kadosh Baruch Hu. Chez Vishigru Notrin, ils ont envoyé des messagers, donc des personnes qui décodent des langages. Mais Kilfo et Acide, ils ont appris comment enlever le Cid sans abîmer les lettres. Mais Isiwa, ils l'ont recopié. Valdavarze, et sur cette raison-là, qu'ils ont recopié toute la Torah
et qui l'ont ramené dans leur territoire, Nirtam Gzar Dinam le Ber Shacha. À cause de ça, les goïms iront au Guéhinnom. Et pourquoi les goïms, à cause de ça, ils iront au Guéhinnom? Chayalem, ils montent, mais l'Olamdou. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc, ils ont vu qu'il y a marqué dans cette Torah-là. Dans cette Torah, il y a marqué Sheva Mitzvot Bene Noir. Et il y a marqué qu'il faut respecter Torah Israël. Et il faut respecter les Juifs. Et ils ne l'ont pas fait. Ça a été leur Gzardin. Disant, je ne sais pas. Tu ne peux pas dire je ne sais pas, parce que tes ancêtres ont copié qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Torah. Et ils ont compris ce qu'il y a marqué dans cette Torah. Donc tu aurais dû, ou vous aurez dû, faire attention. Par conséquent, maintenant, Nidonim la Mavet. Maintenant, Velo Lamdou. Rabbi Shimon Omer, pas comme tu as dit Yehuda, parce qu'il n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et là, il dit comme ça, Al Gabé Sid, qui est ta voix. Ils l'ont écrit sur la chaux. Vekadvou Lem le Mata. Et après, en bas de ça, ils l'ont écrit. Les man, Asher, lo il medou etrem la sot. Lo il medou etrem la sot, kechol agoïmaïl. C'est-à-dire, pourquoi je vous demande d'exterminer tous les habitants d'Eretz Israël pour pas qu'on apprenne de leur comportement dont Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas ou n'aime pas. Donc, bien un avertissement que tous les goïms, s'ils ne se comportent pas comme il faut, à ce moment-là, on avait le droit de les tuer. C'est pour ça qu'il y avait le droit d'habiter en Eretz Israël que les goïms qui avaient été mekabel Sheva Mitzvot Ben Enoch. Halamadeta, tu apprends d'ici, Shim Ayou Chozrim Bitshuva, Ayou Mekabli Motam. Que si les goïms qui viennent de Chutz Laaretz, même les Knanim qui viennent de Chutz Laaretz, qu'ils auraient fait tshuva, on les aurait acceptés. Amar Rabba Bar Shilat, Maïta Amad de Rabbi Shimon. Et pourquoi Rabbi Shimon, il dit comme ça, hein? Alors, il apprend ça d'un passo, dirtiv, parce que c'est marqué. C'est marqué dans Ishaïa. Vayu Amim Nisrafot, Vayu Amim Misrafot Sid. Il y avait des peuples, Kabiachol, il va expliquer ça, qui sont brûlés à cause de la chaux. Hein? Misrafot Sid. Aliske Sid. Ils ont été brûlés à cause de Sid. Pourquoi à cause de Sid? Parce qu'avec le Sid, on est obligé de le chauffer pour l'utiliser. Et comme il y avait le Sid, il avait écrit toute la Torah. Et qu'ils ont appris de là-bas qu'il fallait faire attention. Et qu'ils n'ont pas fait attention, c'est pour ça qu'ils vont se faire brûler par le Sid. Et Rabbi Yehuda, comment il va expliquer le pasouk? Qui Sid, ma Sid, quand il fait son Sid, un autre akana, on ne peut pas. Et là, Besrefa, la seule possibilité de le travailler, c'est de le chauffer, de le brûler. Ah, Fotam Akutim. Même ces goïms-là, qui ne sont pas venus se convertir, en la takana et la srefa, s'ils ne se convertissent pas, c'est ce qu'il a au moins chez Vamizo Benenoir, ils méritent d'être brûlés. Kemana, la demande, Kemana Zla Adetania. Comme qui va cette braïta là? Quelle braïta là? Une braïta qui vient et qui nous dit, dans le passage, je vous le dis, qui t'etse la milchama, l'oivecha, ben tana shem elokera, biyadecha, beshavata shivio. Tu prendras comme de prisonnier. Or, normalement, je dois exterminer tout le monde. Comment je peux prendre un prisonnier? De quel prisonnier on parle? Comment c'est possible que je peux prendre des prisonniers? Et là, les rabots Knaanim chez Bechutz Alaaretz qui ont été inclus parmi les goïms. Ça veut dire que, imaginons un Knaani, un Anglais, qui a été fait prisonnier par un Knaani et qui a été amené en Eretz Israël. Est-ce que lui aussi, je dois l'exterminer ou pas? Je te dis non, ce n'est pas un Knaani. C'est rien qu'un Oumot Aolam qui est rentré. Dans les rabots Knaani chez Bechutz Alaaretz qui ont été fait prisonnier chez Nishbou, Baal Kocham, donc en Eretz Israël, qui nous ont. Alors, ils font partie de l'autre Echaye Koneshama, que je dois les exterminer, ces gens-là. Chez Im Chozrim Beshuva, par contre, si Chozrim Beshuva, ils sont Mekablim, Sheva Mizod Ben Noir, à ce moment-là, Mochalim Laen. Et comment? Keman, comme qui ça? Ke Rabbi Shimon. Parce que c'est Rabbi Shimon qui a dit que ça a été traduit en même temps en bas pour pouvoir leur donner la possibilité de faire tshuva et de les accepter dans leur Am Israël. Si ils font tshuva, on peut les accepter.